Hello les gens, ici c'est Shadow, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 sur BioShock, premier du nom. Et on va s'occuper du Big Daddy comme on l'avait dit précédemment. Avec ceci, arc électrique niveau 3, ça me paraît cool. Tout me paraît cool, tout me paraît good. Et je les ai déjà pris en photo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et on va essayer de se les faire. Alors ici dans l'escalier ce serait une grosse bêtise je pense. Oui oui j'ai rien fait, c'est pas moi. Bref, je sais pas si vous vous souvenez, nous sommes en train d'essayer de devenir un Big Daddy pour passer la porte tranquillement. Allez c'est parti. J'en ai plus, ok. Là il va me l'envoyer et j'aurai pas le temps de le renvoyer. Donc je me suis fait exploser la gueule complètement en attendant. Voilà, on va faire ça. Ensuite, on a le temps de viser un peu la tête. Oula, il me suit. Je ne sais pas s'il aime les escaliers ou pas. Ah d'accord, je suis encore avec la télékinésie. D'accord, je me suis trompé forcément. On va l'occuper un petit peu. Voilà. Ça va l'occuper un peu. Ensuite, ce serait bien de lui mettre le feu aux fesses. Voilà. Le problème, c'était cette mine sur le côté. Et pour pouvoir continuer à repasser au-dessus, c'était pas possible. J'étais obligé de me la prendre. Bon, c'est pas très grave, étant donné qu'on revient juste à côté. Hein. C'est ça, c'est ça. Purée, mais il fait mal les salauds. Allez, il est l'heure de mourir, mon petit. Voilà. Tout en douceur. Allez, t'inquiète pas. On va te sauver, ma petite, on va te sauver. C'est notre but dans la vie, sauver les petites sœurs. Voilà. Ça va mieux. Bon, par contre ici on a 133$ et mon portefeuille est complètement plein. Alors que j'ai utilisé un peu pour acheter des trucs. D'ailleurs, où c'est qu'il y a là-bas. D'accord. Et sinon au-dessus, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a plein. Ok. Ok. Et encore ces bruits chelous. On va prendre les chevrotines normales. Vas-y, ma petite. Ouh! Je l'avais complètement pas vu ça. Par là, apparemment. D'accord! Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Non, ça ne va pas me servir. C'est quoi ce bruit? Voilà. Est-ce que c'est piratable? Complètement que non. Malheureusement, j'en ai plus de... D'accord, c'était ma seule munition. Ah. Ils construisent leurs horribles golems dignes de Frankenstein. Oui, oui. Trouvent les éléments de l'armure. Guide les petites sœurs. Oui, oui, non, mais je sais ça. Attends, ça m'a fait peur. Oui, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai entendu le bruit d'un... d'un Big Daddy, mais en fait, c'est nous. Quand nous nous faisons mal maintenant. Alors oui, la dernière fois, je voulais prendre le truc pour prendre moins de dégâts. Mais du coup, si on peut améliorer... Ah, faut quand même que je prenne le fortifiant en combat, je pense. Allez, on va quand même prendre ça. Histoire de pouvoir mettre... non, c'est pas ça. C'est pas ça. Armure corporelle 2. Voilà. Pour tous les dégâts qu'on se prend bien dans la gueule... Ce sera utile. D'accord, donc lui il a encore des dollars. Mais il n'y a pas une machine justement ici, pas loin. Il y en a une juste là, ok. Ce serait cool qu'on puisse aller acheter quelques trucs. D'accord. Bon, on va passer vite fait, on est déjà venu ici. Non, il faut pirater. T'es sérieux? Et piratage, ok, puis acheter c'est 430$, donc laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas grave, on va faire autre chose.
On va aller là-bas s'occuper ben, de là où on en était la dernière fois. Je me souviens plus ce que je dois faire. Trouver un casque. Service des escortes blindées de sécurité. Trouver une armure. Chercher dans les escortes blindées de sécurité. Trouver des bottes dans les escortes blindées de sécurité. Où c'est que je vais là? Je vais dans les escortes blindées de sécurité. Eh ben ça tombe bien. La dernière fois on était dans les eugéniques optimisés, c'est ça. On était de l'autre côté en fait. Et ben juste on va terminer ce qu'on a commencé. On va juste aller voir dans les endroits. Oh, ici. Est-ce que c'est possible? Oui. Cool. Voilà. Et puis des frags. Voilà. Oui, mais t'inquiète pas, j'en ai de l'argent. Excusez, hein, je fais des petits détours parce que c'est quand même. C'est quand même bête de louper de l'argent. Surtout quand on a 113 dollars qui nous attendent en bas. Je veux dire, c'est pas négligeable. Par contre, je ne sais absolument pas comment. 133 dollars, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on peut augmenter la bourse, j'allais dire. D'accord. Ils vous ont tous menti. J'espère que j'en perds. Merde. Ah, c'est vrai. Les contaminations. Hi. Mais non. Mais non. Mais non. Le truc anti-sécurité, il est où? Il est... Il est là. Et forcément, c'est fermé. Ok. Je me casse complet, hein. Voilà. On fait ça en vitesse. Putain, ils vont venir me faire chier. Voilà. Et lui, je l'ai foiré, c'est pas grave. Si, en fait, c'est grave. Ah non, mais il y a le truc de sécurité, en fait, qui me pète les... Je prends trop cher. Tu vas dire, purée, mais il y a un big daddy, mais en fait, c'est moi qui fais le bruit là. Elle a meurt. Je vais me casser qu'il arrête de me suivre. Au secours. Et, en fait, si je pète la caméra là, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Ça s'est arrêté. Et ici, je ne sais toujours pas comment entrer, il doit y avoir un moyen. Forcément, un moyen. Ok, toi. Ok. Tu fais des choses étranges, hein. Pourquoi t'es parti dans le coin? Voilà. Ça c'est fait. Ah, mais t'avais de... Ah, tu planquais de l'argent ici. Ok. Ok, Rosen, j'en ai déjà fait. Ok. Ok, ok, tout ça, tout ça. Rien d'autre intéressant à ramasser ici. Bah si, des frags là. Ah oui, mais j'ai fait le plein tout à l'heure, forcément. Eh ouais, j'aurais dû venir ici d'abord. Plus de soins. Carreau incendiaire, j'en ai aussi à fond. De lèvres, j'en ai pas. Pas à fond en tout cas. De l'azote liquide, je suis à fond, je suis blindé. Oui, je sais, je ne me sers pas assez de... Il y a plein de trucs dont je ne me sers pas. En même temps, je suis pas forcément très doué avec, donc voilà. Une mine d'or, écoutons ça. Endroit Ryan. Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. C'est exactement ce que je voulais. Oh putain, ça passe à travers. Présenter correctement, ces petites sœurs sont une véritable mine d'or. Salaud! C'est quoi qui est tombé du ciel là? D'accord, ok. Tout à fait normal. On va péter ça, de toute façon on risque de pas revenir ici. Ici on avait fouillé. Ouais, en fait il y a juste ici qu'on n'avait pas fouillé. On va éviter de se faire repérer à nouveau. Putain, c'est électrifié, comment vous voulez qu'on passe? Il va falloir la buter à distance en tout cas, elle. Mais non, tais-toi.
osent arriver. Mais en fait, ce que je voulais, c'était ça. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas morts là. Allez, voilà. Rêve. Oh là là. Ouh. Catastrophe, hein. Forcément, le truc de sécurité est impraticable. Oh putain, tu reviens depuis là. Oh là là là. C'est bizarre, hein, d'avoir la voix de Lee Daddy. Je vous l'accorde. Du coup, c'est de l'autre côté. Il faut que j'accède à ce truc, hein. Je sais qu'il y a des trucs importants. On repasse à la décontamination. C'est pas très grave. Coucou Big. Oh putain, t'es... Je sais pas si tu t'es déjà pris en photo, toi. Mais t'as mal la gueule. Bonus déjà... Ok. Bonus. Sujet déjà photographié. En tout cas, si tu vas chercher une petite sœur, dis-le moi, je t'explose la gueule en 2-2, quoi, ce sera fait. Oh, vas-y, prends une petite sœur, s'il te plaît. C'est pas moi. Allez, s'il te plaît, descends. Oui! Oh, il a plus de vision. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. J'ai déjà envie de prendre la photo. Coucou! Hein? Ah, machin déjà fait, ok. D'accord. Écoutez, on va même pas se fatiguer à ça. Vous voyez, il y a un truc super qu'on appelle la télékinésie, j'allais dire. Boum! 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 Voilà, bon, normalement ça aurait dû le one shot, hein. Mais bon, pas très grave. Ouah! Comme elle a tapé dedans! Mais t'es une folle, hein. Non, non, non. Si, si, si. Oh, une petite rousse. On a déjà une blonde, une brune, une noire. Maintenant, on a une rousse. On a fait toutes les couleurs de cheveux, c'est bon. Merci, monsieur. Que puis-je vraiment faire pour ces gamines? Je suis souillée par le péché. Ouais. Mais toi, toi, tu leur offriras peut-être un avenir que je ne saurais même pas imaginer. On verra. Une petite sœur vient te retrouver avec un cadeau. Bonne chance. Oh, j'avais pas vu. Ça marche. Oh, t'es bien morte. Ouais, t'es bien morte. Ok. Alors, ici. Est-ce que ça fait mal? Bah, j'ai pas l'impression que ça fasse mal. C'est bizarre. Waouh, mais je suis immunisé ou quoi? C'est bizarre. Ouais, il va y avoir de la thune et j'aurai pas 100$ à 6 corps incendiaires. Refouiller, c'est la même chose. Ok, je peux rien prendre. je suppose que je peux casser dans le... Non? Pourquoi? Il y a forcément un truc que je peux faire. Ce serait pas comme ça normalement. Ouh. Attendez. De toute façon, il y a de la frappe de l'autre côté, je m'en fous. Sur Chimie. D'accord. Merci. Je croyais qu'il fallait que je détruise un truc ici, je sais pas. Ok, ça ne fait rien. Un lanceur chimique. Trouver les éléments. Ouais, non, mais je sais que je dois faire ça, man. Je sais. Mais là, il n'y a pas de bouton activé. Rien du tout. Oh, merde, alors. Comment je fais pour aller dedans? Ne me dis pas que c'est juste avec un truc électrique. Ok. C'est juste ça. Ok, donc ça en fait c'était pour... D'accord, je me suis fait chier pour rien à chaque fois, j'aurais juste pu les désactiver ici. C'est pas très grave. Ça je suis sûr qu'en fait c'était pour... Oula, il me fait peur là monsieur. Donc c'est bien fermé. C'était juste pour désactiver les arcs électriques, je suppose. C'est ça. Ah d'accord, faut re...
Ah non, je peux l'utiliser comme ça. Oh man. Voilà. Attendez, parce que je vais juste aller récupérer mes frags là. Qui sont pas là, mais qui sont de l'autre côté. Munitions, ouais. Merde, ils sont où mes frags? Ah, elles sont là. Pardon. Vous êtes malade. Wow. Calme-toi, bro. Regarde, j'ai une fragmentation juste pour toi. Ah! Et il est même pas mort, le type. Si, je crois qu'il est mort. S'il est pas mort, c'est que... Allez, décontamination. On se barre, on va de l'autre côté, histoire de récupérer l'armure, maintenant. Il nous restera juste un Big Daddy à tuer au passage. Oh, oh oui. Mais de rien. Avec plaisir. Artisan politique, je sais quoi. Artisan prolifique, pardon. Quand vous inventez des objets, vous en obtenez deux fois plus que la normale. Ça, c'est super, ça. De toute façon, je ne peux quasiment plus pirater. Donc, ça sert à rien de s'embêter avec ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une génothèque pas loin, par hasard? Ouais, la génothèque, elle est très loin. Très loin de côté. Si, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais au passage, on va prendre la petite amélioration d'Eve et de vie. On va garder les 170 pour après, hein, vous inquiétez pas. Je vais fouiller. Oh, des douilles, cool. Ok, et bon, c'est parti alors. Décontamination encore. D'accord, donc là, il n'y a pas intérêt à énerver la sécurité. Ça risque d'être chiant. Toi, t'es mort? Non, toi, t'es pas mort. Forcément que non, maintenant tu l'es, mais avant t'étais pas mort. Merci pour le napalm. Non, ici ça s'ouvre. On peut les fouiller. Les pirater, non, c'est impossible. Vous voyez bien que maintenant pirater c'est impossible, complètement. Dans le bureau je peux leur fouiller, mais il n'y a rien du tout. Ok, sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à prendre? Une mitrailleuse, un bureau, du kérosène. De toute façon, je peux pas les vider, ça sert à rien. Hop, on prend les chips. Ok, ici c'est ouvert. Ouais! Bah écoutez, j'étais parti de l'autre côté, donc on va quand même continuer de ce côté-là. En plus, toi t'es mort. Ok, là ici on peut avoir une petite sœur et j'entends. Un Big Daddy. Ok, allons ici. Instruction des candidats. La pute! Ok. Piratage impossible. Voilà, c'est ce que j'espérais. Qu'elle se tire dessus. Ok, il y a de quoi les buter ici. Attendez, on va faire ça. Ouais, une avait suffi, mais c'est pas... C'était au cas où. Vraiment au cas où. Alors. Coucou Big. Une petite photo peut-être? Oh, que tu es joli, que tu es beau. Mais ça avance que dalle. Je devrais prendre expert en recherche pour ça. Ok, alors ça c'est quoi? Botte manquante. Les bottes. J'étais sûr que les bottes étaient ici. Eh oui, mais non. Scheiße! Neptune, les bottes des protecteurs doivent être livrées ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail? Ce genre de choses n'arrive jamais avec Fontaine. Oh! Comment il vient de me pousser? Attends, il y a une petite sœur qui va sortir ici? Ouais, ok. Bon, eh bien... Je pense qu'il est l'heure de lui mettre une petite raclée pour la troisième fois à un protecteur. Attendez, est-ce que je peux faire juste des munitions perf? Ouais, des mini perf, parce que c'est vraiment ça que j'ai plus du tout, quoi. Outil de piratage, on va en prendre aussi. Et tout le reste, ça ne sert à rien. Et j'ai un outil de piratage en trop, d'accord. Bon, eh bien, on est parti. Voilà, on charge ça. Vous aurez de la chance, aujourd'hui, 3 Big Daddy.
Bon, sachant qu'il y en a deux qui étaient... comment dire? Le premier, il y en a un sur les deux qui était déjà bien abîmé. Le napalm, c'est bon. La mitraillette, c'est bon. Ah non, il n'a pas mis les perfs. Les perfs, s'il te plaît. Merci. Les perfs, c'est fait. Là, Bionic. J'aimerais bien rester ici, s'il vous plaît. Alors partez pas trop vite. Nickel. Et attends, je voulais prendre... Non, la petite soeur en photo, ça sert à rien. Ici, c'est pas du... Ok, c'est pas très grave, on s'en fiche. Allez. Bitch. 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 Ouais, j'en ai pas rien. Non, pas de la télékinésie, mec. Plutôt ça. C'est l'heure de t'immobiliser. Quand je recharge. Et toi donc. Voilà. Est-ce que tu apprécies les fragmentations, mon petit? Faut quand même vider tout ça, hein, pour le tuer. Encore des dollars à fond. Et la troisième petite sœur est sauvée pour cet épisode magnifique. Trois petites sœurs en un épisode. C'est l'épisode de la petite... C'est l'épisode de la petite sœur, là. Petite sœur Poa, quoi. C'était les trois super nanas qu'on a sauvées, c'est bon. Alors, après avoir sauvé donc les trois super nanas, on va aller... C'est quand même beau, putain. C'est beau, c'est beau. C'est beau, j'adore Rapture, c'est magnifique. Alors, du coup, les bots sont livrés à la bibliothèque. C'est trop classe. J'adore, j'adore les nouveaux sous-marins et tout ça. Waouh, mais il y a trop de monde ici. Wait, t'es mort. Quoi? Le mec est pas mort. Comment puis-je vous aider? Comment? D'après moi, en mourant. Le mec est là, c'est ça. Waouh. Waouh, mais il est taré ce mec là. Non, mais il a taqué de dollars. Moi, je veux des dollars. Je veux des dollars, donc faut que je dépense mes dollars. Ok, alors on est censé trouver toutes les combinaisons ici, hein. Odeur de protecteur. Souchong. Ah. Le protecteur sent vraiment très... très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. Sir Ryan. Quel brave type. Alors, on va coter des erreurs maintenant. Attendez, j'en profite que maintenant que j'ai les attaques. On ne bâtit pas une ville si l'on est guidé par le doute. Mais peut-on gouverner dans une absolue certitude? Je sais que mes convictions m'ont élevé. Tout comme je sais que ce que j'ai rejeté aurait pu me détruire. D'accord. Mais la ville s'écroule sous mes yeux. Ma foi m'aurait-elle aveuglé au point de ne plus voir la vérité? C'est possible. Mais Atlas est là. D'accord, ouais, on va mettre... Il a l'intention de me tuer et de détruire ma ville. Artisan, ce sera mieux. M'interroger, ce serait me rendre. Aussi ne me poserai-je aucune question. D'accord. Il est un petit peu parano. Je voulais faire de mal à personne. Allez, ouais. T'es sûr que tu veux faire de mal à personne, man? Loupé. Loupé. Purée, hein. Faut quand même en débourser des balles. J'entends un truc qui brille. Ça veut dire qu'en dessous, il va y avoir des choses intéressantes. Ah, ok. Je continue de faire mon petit tour, hein. Encore deux seringues vides. Je continue de fouiller, hein. La fouillance, la fouillance. Des pointes d'acier, pointes d'acier. Tube en caoutchouc, antipersonnel. Je sais pas ce que j'ai pris, des antipersonnels, je crois. Alors, qu'est-ce que ceci? La protection des petites sœurs. Les ouais. Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Souchong avait de l'opium premier choix. Oh.
combinaison de protecteurs. 25%. Oui. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose là-bas. Vas-y, Scout. Nous allons faire de toi un monstre parfaitement ignoble. Un casque et une paire de bottes ne seront fin prêts. Il y a quelque chose au fond ou pas? Non, il n'y a rien. Okay. Un casque et une paire de bottes. Voilà ce qu'il nous faut. Un lance-grenade. Que demande le peuple? De l'azote liquide? On n'en a pas besoin. Hop. Ça, c'est nickel. Oh, je suis arrivé dans la réserve, quoi. Attendez, on va recharger ça. Pour le liquide de me taquer le truc. Carreau incendiaire, je m'en suis toujours pas servi. C'est quoi ça? Console. Oula. C'est pour faire cramer les gens? D'accord, ok. C'est intéressant. Ah ouais, non. En fait, on va les enlever. Voilà. Parce que si je veux pouvoir passer, en fait... excusez-moi, j'aimerais bien retourner... Voilà. C'est une collision de protecteurs, ça. C'est pas celle qui porte eux. C'est les protecteurs d'avant. C'est les protecteurs alpha, ceux-là. C'est pas possible. Alors, ici... c'est quoi ici? Ouah, des mines de proxy à fond, quoi. Oula. Toi, meurs. Voilà. Ok, c'est bon. Là, on a clairement une tourelle qui va nous faire chier. Ah, un autre Big Daddy. Coucou. Je ne pense pas qu'elle soit piratable. Bien sûr que non. Alors on l'explose. C'est l'avantage. Bon, et eh bien écoutez, on va se laisser ici. Parce que de toute façon, cet épisode a déjà duré assez longtemps. Et en plus, on a tué plein de Big Daddy. Mais est-ce que je sais où est le dernier objectif? Parce que le problème, c'est que tout est censé être ici. Et je n'ai malheureusement pas tout trouvé. Alors je vais continuer de chercher un peu pour le prochain épisode, et on se retrouvera donc pour l'épisode 24. Allez, portez-vous bien d'ici là, et à la prochaine. Salut, salut à tous. J'arrête un écran, portant la mention play again.